Les bourses européennes ont terminé dans le vert ce vendredi, toujours portées par l'annonce de la BCE et par une série de trimestriels américains solides. Hier, la Banque Centrale Européenne a annoncé une réduction de moitié de son programme de rachat d'actifs mensuels en janvier à 30 milliards d'euros, et ce jusqu'à fin septembre 2018 et au-delà si nécessaire. Et hier soir également aux États-Unis, Microsoft, Amazon, Alphabet et Intel ont tous les quatre publié des résultats meilleurs que prévu. Ainsi, à la clôture des marchés parisiens, le Stoxx 600 gagnait 0,42% à 393 points. À Londres, le FTSE progressait de 0,19% à 7501 points. À Francfort, le DAX, lui, gagnait 0,65% à 13 218 points. Enfin, de son côté, le CAC 40 progressait de 0,75% à 5 496 points. Du côté des plus fortes hausses sur l'indice parisien, à la clôture, nous avions Technip FMC plus 3,17% à 23,07 € et Unibail Rodamco plus 2,8% à 214,60 €. En revanche, à la baisse, ArcelorMittal moins 1,55% à 25,05 € et Saint-Gobain moins 1,23% à 50,74 €. Sur le marché des changes, pour finir, à la clôture de Paris, 1 euro valait 1,16,08 € et 1 s'échangeait pour 113,83 yens. À la bourse de New York, c'était Alexandra Déglise pour Trading Central. Excellent week-end à tous et à la semaine prochaine.